Eh bien, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Dragon Quest 11. Allez, on va prendre notre petite revanche sur la dernière épreuve de la roue du Darmal. Parce que là, ça ne fait pas trop. Cette épreuve de merde qu'on a à la fin, je vous jure, c'est chaud. Moi j'aurais pas mis une épreuve comme ça, moi j'aurais mis une série consécutive de boss, pas épreuve de merde où t'as la boss qui fait repop tous les monstres si tu les as pas battus d'un seul coup, quoi. C'est un peu n'importe quoi. Donc j'avais dit quoi? J'avais dit Jade et Théo en premier. Ensuite Eric et Sylvando. Ensuite Veronica et Serena. Oups. Et enfin, le héros et Hendrik. Hop. Oui. Et je vais faire du coup ce qu'il disait dessus. Il faut utiliser Cyclone Rose de Jade et Porte de Nacre de Théo, tout simplement. Pour affaiblir au maximum. Voilà, et à chaque fois ça fera ça. On tuera les deux, il restera plus qu'à tuer le sombrero en fait. Enfin, le sombrero. Ne reste ce but d'un coup. Enfin, en un tour. Ah non, le miasme n'est pas parti là. Ouais, j'ai augmenté la puissance magique de Théo en un tour, alors. Je crois que j'avais fait ça l'autre fois. C'est une aptitude... Ah non, c'est les sorts. Oh bah, on va augmenter les sorts, puis on va faire Giga Glace. Ouais, bah ouais, hein. Ce sera mieux que Porte de Nacre. Là, elle va pas réinvoquer vu qu'ils sont tous là. En plus, ça fait ça. Et voilà. J'aurais dû faire ça dès le début plutôt. 8 actions. Ça m'étonnerait que je fasse les 30, mais au moins j'aurai le truc qu'il me faut. Alors, celui-là. C'est celui qui m'a fait le plus chier. Critique systématique d'Eric. En même temps, ça vous aidera pour le faire, si jamais ça vous fait trop chier, vous aussi. Et... bras de la justice de Sylvando. Pour l'affaiblir un peu. Ensuite, elle va invoquer trois autres poupes. Utiliser division de Eric. Et super décuplo sur Eric. Euh,
Et du coup, Eric, il a lancé de feu. Je peux faire un cyclone. Non, Rose des Vents, voilà. De lui. Et le lancer de feu. Oh, en plus, il est hyper tonique. Le lancer de feu. Qui a touché tout le monde. Voilà. Oh, il les ressuscite, le bâtard. Il est mort, mais il les ressuscite. Ça sert à rien. Là, il va perdre ses doubles. Ouais. C'est pas grave, c'est pas grave. On va le refaire. Ils ont tout pour faire chier en fait chacun. Il manque à plus qu'à ce qui m'endorme, ce qui m'empoisonne, ce qui me paralyse. Et là ça devrait finir du coup. Voilà. Le prochain combat, il faut faire ça. Oh putain, il a endormi celle qu'il fallait pas. Ah putain! Bien sûr! C'est super! Ah là 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 là. Moi je peux plus rien faire là. Hop. En plus ça va pas se réveiller avant un moment. Ah bah voilà. Ça l'a réveillé. Elle l'aurait pas endormi, Serena l'aurait terminé. Bon bah... Je crois que je vais abandonner et recommencer. Il a beau ne pas être fort, mais le problème c'est que j'ai plus du tout de points magiques. Normalement j'étais censé le voir le one shot, le double shot ou le one shot. Allez, on recommence. Hop, Eric, Sylvando, Veronica, Serena, moi, Henrik. Hop. Putain, il y a un facteur de malchance quand même là, c'est un peu fou. Voilà, du coup, je sais ce que je dois faire. Au lieu de la porte de Nacre.
Elle va en rappeler d'autres, et on va de nouveau les finir. Là, il fait un sort critique. Et là, ça devrait finir. J'en ai fait deux de moins que tout à l'heure déjà. Ensuite, est-ce que je ferai pas du coup... Non, on va faire critique cymastique. Ouais. On va refaire une technique là. Parce que je pourrais augmenter et faire division dès le début, mais il serait pas affaibli. Du coup, je l'aurais pas en un seul tour. Sachant que les autres, ils repop parce qu'ils utilisent un sort en mourant qui les ressuscite. Quoique non. Ils n'utilisent pas un sort en mourant qui les ressuscite, c'est juste que s'il a les PV bas, il les appelle. Enfin, il les fait rappel ou un truc du genre en se sacrifiant, en fait. Bon, ils n'ont aucune aptitude à eux deux. Et là, hop, ah, ça le finit pas, donc là il les rappelle, ouais. J'aurais voulu qu'il le bute, mais. Bon bah on se refait une division, histoire de les mettre KO au prochain tour. On va faire ça en garantie, pour enlever un peu de PV, en plus j'en ai mis confus, hein. C'est pas mal. La méga protection, et ils vont nous voler des PM. Non, ah non, bon barrière magique, allez spammer barrière magique, j'en ai rien à foutre. Les barrières magiques cassées, c'est rien. Ils auraient fait méga protection tous, par contre là le lancer de feu, je sais pas s'il aurait fonctionné. Hop là. Alors là. On revient au facteur chance. Soit je le one shot, soit je dois le two shot. Mais si je le two shot, il faut pas qu'il m'endorme, Serena. Il se fout de ma gueule! Il se fout de ma gueule, ce truc! Il y avait un truc qui me protégeait des...
Si j'avais un truc qui me protégeait des... Ah bah c'est pas fait ça. Il pourrait pas... Il pourra pas m'en armir, si ça marche. Voilà. Il a cherché, il a trouvé. Elle peut les appeler. L'explosion magique devrait terminer. Ah, c'est une aptitude ça, mais... Ah non, c'est... Okay. Il est toujours... Ah, je peux pas voir. Attaque magique surpuissante. Ouais, remarquez, je peux terminer les trois. Bah non, ça servira à rien vu qu'ils vont repop. Je vais la faire, mais quand il sera plus immunisé à la magie. Non, on va se préparer en attendant. Il faut vraiment qu'il fasse quelque chose qui me fasse chier à chaque fois, n'empêche. C'est un peu fou. Maintenant, on va l'affaiblir, histoire de one shot avec. Est-ce qu'il ne sera plus immunisé au moins un moment ou quoi? Bon, tant pis, je le fais. Si ça marche pas, j'ai toujours un bombe magique. Ah, c'est bon. Putain, j'aurais pu le faire. Moi qui pensais qu'il était immunisé au sort, j'aurais dû le faire. 20 actions. J'ai 10 actions pour battre le truc. Allez, ça dit pas de grosses filles. Frapper tout le monde avec Giga Gash et utiliser Fury Lame de Hendrick pour affaiblir le dragon et le lion à tour de rôle. Hendrick, je lui ai donné une épée à deux mains à Hendrick en fait. Ouais, c'est bon. Alors. Ok. Faut pas chercher. Giga Gash. Et à tour de rôle, je les attaque avec Fury Lame. Tiens. Est-ce que j'ai un truc qui touche tout le monde? Ouais, mais on le fera à la fin, on va profiter de notre état hypertonique. Commençons par lui. Alors, est-ce qu'elle va en appeler d'autres là ou pas? Elle, on n'appelle pas d'autres le temps que je les ai pas vaincus en plus. Ouais. Sur le serpent fer. Là, elle va appeler deux autres. C'est au tour d'Hendrick, non. Ok.
Je sais ce qu'il me reste à faire. Ça. Puis Hendrik. Cavalcade du chaos. Et normalement, c'est gagné. Et j'aurais fait peut-être 30 tours pile poil, j'ai pas compté. Ah non, ça le one shot pas. D'accord. Bon bah, j'ai fait le con. Parce que j'aurais pu le tuer, je pense. Dommage, j'aurais pas fait les 30 tours. Mais au moins, je récupère les deux bouquins. Même s'il va me manquer un objet, c'est pas grave. Je récupère ce qu'il me faut le plus. Est-ce que j'aurais pas un truc pour les attaquer tous les deux en même temps? Ah non. Elle va en appeler d'autres si je le tue lui. Non. Ouais. Ok. Donc on va faire ça. Ah, ça m'étonnerait qu'elle en rappelle, même si j'en ai buté un. Encore un coup critique. Facteur malchance ce soir, je suis servi. Et ça devrait suffire. Mais du coup, j'aurais fait plus de 30 tours. J'aurais pu faire largement moins si j'avais su que la cavalcade n'était pas puissante. Je dois être à 33 ou un truc du genre. Ouais, voilà. Illumination ultime. Parfait. Du coup, je peux fabriquer ce qu'il me fallait. Qu'est-ce qu'il me fallait? Je sais même plus pourquoi j'étais venu là. Ah oui, c'était pour une quête. Épée impériale de qualité. Je crois que c'était ça. Je crois que c'est ça. Du coup, il se trouve, bah, il se trouve à Mandalay, le gars. Mais on va aller faire... On va aller faire... Où est-ce qu'il y a un camp? Non, enfin, original. C'est là où il y a le truc le plus proche. Alors, puis on aura passé 25 minutes à essayer. Il y a vraiment un facteur chance-malchance qui fait en sorte que bah vous réussissez ou pas en fait. C'est un peu chiant mais bon. C'est une épée longue peut-être. Ah oui, épée impériale. Il me manque du lubrifiant. Ok. Oui, en fait, faut que je rééquipe mes personnages de ce qu'ils ont normalement. C'est-à-dire, pour lui, la hache. Il y a ma chienne qui aboie. Si vous m'entendez, je suis désolé. Eric, ça et... Chut.
Et je crois que c'est tout. Hein. Le reste, tout le monde avait ça. Ouais. Du coup, tu lubrifiant. Gluant de poivre, roi glaire gluant, jambes pointues fait froid, roi guéri gluant, magnifique. Dans tous les cas, c'est les gluants. Valet d'Yoto, mon Yuji. Ok. En plus, s'il me manque qu'un seul, c'est parfait. J'ai juste un Météric dans la team. Un petit coup de fauche et ça suffira. Et parce que bon, j'ai pas rappelé ce qu'on faisait hein, au début du coup. Mais on va faire toutes les quêtes, histoire de terminer à 100% le jeu. Toutes les petites quêtes là qu'il nous reste à faire. Il nous en reste 5 ou 6 à faire. Donc on va les faire. Ensuite il faudra que je fasse le tour du monde pour aller faire toutes les cibles proposé par le jeu. Donc ça va être un épisode spécialement pour ça que je ferai. Sachant que j'ai déjà frappé quelques cibles, hein, donc elles n'y seront pas toutes. On a pas mal éparpillé dans chaque épisode. Mais dites-vous que toutes celles que je ferai, c'est toutes celles qu'on ne voit pas forcément. Vu que toutes celles que j'ai déjà touchées là, c'est celles dont... que je voyais à chaque fois quoi, en passant à côté ou en cherchant pas tout simplement. J'étais tombé dessus. Alors, normalement, il devrait y en avoir là-haut. Quoique, si, si, là-haut il y en a. C'est peut-être que deux, mais il y en a. Et ils vont nous tomber dessus là. Non. Ça ne tombe pas dessus. Non, ils ont pas l'air de vouloir nous tomber dessus. Donc il n'y en a pas ici. Je croyais qu'il y en avait. Enfin avant il y en avait. C'était pas des sombres mais il y en avait. Ah non, remarquez, c'est peut-être pas les cendres qu'il faut. J'ai été sur sombre, non? C'est magnifique. Bon, en tout cas, il y en a ici. Hein. C'est magnifique qu'il y a. Peut-être que je regarde, il est magnifique, je sais pas. Ils se ressemblent. Entre les yeux rouges et les yeux verts. Hein. Normalement, il y en a pas mal. Enfin, je crois. Putain, ils vont nous foutre que des lanternes. C'est bien ça. Valet d'Yoto, mon Yuji. Duant de poids maléfique. Ils sont censés nous tomber dessus, un truc comme ça. Attends, on va aller se taper avec lui là.
Voilà. Et du coup, on va pas essayer pour nous piéger si on ouvre le coffre. J'étais en train de foncer pourtant, mais bon. Ces monstres qu'on leur fonce dessus, normalement, ils seront défoncés. On va dire qu'on est tombé sur un angle mort du monstre. Bonk. Est-ce qu'ils vont pas pop là-bas plutôt alors? Pas. Alors. Ça c'est bizarre ça. Je me rappelle très bien en avoir eu. Et c'était là où qu'il y en avait. Là où j'avais été au départ. Ça je trouve bizarre. Oh, c'est quoi ça? Bâton de lave. Putain. Jamais vraiment prêté attention. Un peu plus haut. Ou c'est peut-être parce qu'il fait nuit à remarquer. Hein. Là, c'est fort possible aussi. Au point où on en est, c'est une forte probabilité que ce soit ça. Le problème avec les rois guerriers gluants, j'aurais bien été les combattre. Pas de problème. Mais c'est qu'ils ont moins de chances de pop. Parce que une fois sur deux, ça change de monstre. Là où ils sont. Alors j'ai vu que dans la vallée du Yoto, il y en avait aussi. Mais je suis sûr que c'est les gluants pions là, qui disparaissent le jour. Et qui laissent place aux gluants à poids. Vous allez voir. Plutôt qu'avoir un temps de chargement, on y va à pied. Tout ça pour une seule quête. Décidément. On a l'épisode 96, il faut qu'à l'épisode 100, j'ai fini. Je me suis donné cet objectif. Si je vois qu'on n'a pas beaucoup avancé, je ferai un épisode d'une heure. Non, on va voir ce que ça donne dans la grotte. Putain, les textures de la porte, à chaque fois que je m'approche, sont dégueulasses. Et maintenant qu'ils ont sorti la version sur Switch, je suis sûr qu'ils feront plus d'optimisation sur PS4. Ça, c'est pratiquement certain. Ils feront pas de mage ni rien du coup. Bon, bah. Faudra m'expliquer où est-ce qu'ils apparaissent, ces trucs.
Ça marque mon Yuji. Va retourner là où j'ai été au début, mais c'est n'importe quoi là par contre. Ou alors ils apparaissent que avec des monstres en fait. Il faut combattre un autre monstre pour qu'ils apparaissent. Et je me rappelle très bien qu'ils faisaient pas ça. Qu'ils apparaissaient comme ça. Je les ai vus. Alors c'est que je suis trop fort, du coup ils descendent pas pour me choper. Parce que normalement c'est quand je passe comme ça, ils tombent du plafond en fait, ces trucs. Wow. Des mains fortes, carrément. Rien à foutre. Mais ils me bloquent, et ils vont s'enfuir. Non, qu'ils... Hein? Ah mais je suis level 99, vous me servez à rien. Toi, tu me sers à quelque chose. Bon, bah. C'est pas grave. On va s'occuper du reste en attendant. Oh, peut-être, j'aurais peut-être pas tué là, tu aurais pu en appeler d'autres. Mais c'est comme ça que ça marche, donc. Attends, c'est les coups critiques. What's yours is mine. Bah alors. Ils s'appellent entre eux. Ils sont mignons. Voilà. Maintenant je peux tous vous buter. Our triumph was never in doubt. Voilà. Ouais, Mandalay, de toute façon, on s'en fout. On a juste allé à un camp, au final. Et il faut que je lui fasse une plus 3, par contre. Donc, faut surtout pas que je me loupe au début. Mais bon, je suis level 99. Normalement, aucune épée devrait me résister. Et je sens bien que je vais faire 15 minutes de plus, quand même. On va faire un épisode d'une heure, parce que là... Bah, 40 minutes... pour le peu que j'ai fait. Na. Hop. Et on peut y aller avec la méga frappe carrée.
Ce serait bien d'avoir la... Un truc au critique. Parfait. Vraie réussite. Un peu trop. Bah, ça devrait être bon. 6 sur 8. Je vais en faire une plus 3 quand même. N'empêche, est-ce que... L'épée suprême de lumière normale a fait 655. Normale a fait 688. Je suis sûr que l'épée cosmique, si on l'améliore à fond, elle est beaucoup plus puissante que l'épée suprême de lumière. Ensuite, niveau poignard, bon, j'ai fait le meilleur. Baguette, accepte du temps, c'est bon. Niveau canne... Bâton de l'aurore. Rameau magique, il me faudra. Niveau fouet, bon. Le fouet de Gringam. Faut vraiment que je le cherche. Là, c'est... Ça devient... important. Ça, faut que je le forge. Il faut que je forge ces deux trucs-là. C'est pour qui? Pour elle? Ce sera pour ses cheveux. D'accord. Elle a une super armure. Lui aussi. Lui aussi. What the... C'est le genre de truc qu'il va falloir que je fasse, quoi. J'irai chercher les objets sûrement en off pour vous éviter. Déjà qu'on va tourner un peu en rond pour les quêtes. Alors on va vous éviter la recherche d'objets. Ça entre le prochain épisode, entre l'épisode 97 et 98, si j'ai le temps. Si j'ai pas le temps, je ferai entre 99 et le 100, hein, de toute façon. L'épisode 100, au point où on en est, on foncera directement vers Kalasmos. Autant faire quelques trucs avant. C'est pas lui. Non, c'est pas un gars du Mandalay ici. Si. À moins nos cordures comme l'acier. Ah, mais ils disent pas où. Ben, moine ouest Mandalay de toute manière. On va le chercher. Sûrement celui qui est là. Si je me souviens bien, il y en a un ici. C'est toi? Ouais. Faut que je me l'équipe. Là, je vais pouvoir utiliser ces graines de compétences à bon escient. Qui est-ce qui n'a pas les compétences ?
à fond. Personnage de Lisa, Eric c'est bon. Véronica. Il manque combien? Wow. Même les 10 graines, ça suffirait pas là. Serena. 12 graines. Sylvando. 12 graines aussi. Jade. Oh, 3 graines pour Jade. Théo. 5 graines. Et Hendrik, lui, je crois que ça coûte 20 son dernier truc, il en faudrait 7. Ah non, 25. Ouais, il en faudrait 12 aussi. Eh ben, pas mal de graines de compétences, il va nous falloir. Bon. Prochaine quête. Si on peut la faire vite fait. Attendez. Retourne à Eliodor pour tenir la... à maîtresse Béa. On va faire ça. Déjà. Et je vais aussi me rééquiper de mon épée, moi. Et du bouclier. Alors. Elle est dans les bas-fonds d'Héliodore, il me semble. C'est pas la personne... Ah non, non, attendez. C'est pas la femme de... Non. Lui, ce qu'il veut, c'est... Gloriflamme ou un truc comme ça. Ah non. Ouais, c'est ça. Ah ça, au château de Versailles, là où je taffe, c'est niveau pigeon, on est servi. Et pas que les animaux, si vous voyez ce que je veux dire. Pour que des gens achètent ce que les gars qui vendent l'espèce de petite tour Eiffel à la con et les boissons dégueulasses qu'ils donnent là, les bouteilles d'eau déjà ouvertes, tout ça. Faut vraiment être soit assoiffé, soit inconscient. Encore les tours Eiffel, je peux comprendre. Même si on est au château de Versailles, il y en a toujours qui vendent des tours Eiffel. Mais le reste... C'est toi ? Ouais. Bon, remettons notre équipement. Et voyons voir les quêtes qui restent à faire. Na. L'auteur reçu la validité d'avoir batté quelques chiens et que l'auteur prendra le bout de son nez. Donc c'est un monstre rare. Jeune garçon d'Eliodor vous a demandé de trouver une légende du cache-cache. Oui, ça je pense savoir où est-ce qu'il est.
montrer un disque de cristal. Les hauteurs de Sniffer Live. Ok. Ça, c'est faisable totalement. Ça, c'est faisable aussi. Nibelheim. Ah ouais. Et Brasset d'Arduin. Ah oui, ça par contre. Je trouve dans le labyrinthe souterrain construit par Tristan Azardrust. Varsotrust. Svarstrust. J'arriverai jamais à le dire normalement. Ouais, ça, bah, ça va être plus chiant à trouver, mais. Internet est mon ami. Le reste, c'est largement faisable. Et bah. Et ben on fera ça au prochain épisode. Ouais ouais, on fera ça au prochain épisode les amis. Sur ce, je vous dis à tous ciao à plus. Et je vous donne rendez-vous au prochain épisode pour la suite de tout ça. Allez, salut à tous.